Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, le Fafa. Recevez votre humble serviteur, l'animateur que je suis, Serge de Fallé, la légende. Toujours accompagné de celle-là même qui a la question dangereuse. Aujourd'hui, elle a mis cheveux rouges. Je ne sais pas s'il y a danger, mais André a danger. Parce que l'émission qui va se passer aujourd'hui, là, Chola, attaquante, hein. Chola. Attaquez Bongo. Comment tu vas le défendre? Ça va super bien, Chola. Et chez toi-même? Bah, ça se voit que je pète la forme. Hein. Ah ouais, mais c'est bon. Il y a ça aussi. Au pays du Béret, c'est le Béret qui est. Je veux dire, notre devise, là, c'est quoi? Union, discipline, travail. Béret. C'est tout. On est payé pour ça. Alors, à l'orée et à l'arrivée, je dirais, de ce phénomène des réseaux sociaux, cela a amené une nouvelle vague de stars, de nouvelles personnes qui arrivent à s'exprimer dans ce qu'on appelle le live, le direct sur Facebook. Tout cet outil de communication a fait connaître plein de personnes. Et parmi ces gens, il y en a un spécialement qui a réussi quand même pas mal à se démarquer à travers ses directs et tout. Par moments, ils défendent des cas, par moments, ils allument des personnes. Bon, tout cela entraînant toute autre chose, il est même présent ce soir, aujourd'hui dans ce Fafa, il va nous expliquer un peu comment tout cela se fait. Mesdames et messieurs, nous le recevons, il n'est pas tout seul, nous recevons l'unique, le blogueur avec sa femme. Bonjour l'unique. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir. Bonjour madame. Bonjour. Ah, c'est ça. Alors, je suis là, monsieur et dame, aujourd'hui. Oui, oui, effectivement. Bienvenue chez nous. Hein. Et puis surtout, mettez-vous à vos aises. Hein. On va faire une belle émission. On fait une belle émission. Comme vous avez l'habitude d'attacher, on suppose que c'est rien pour vous. Ah, c'est rien pour vous. Donc, entre attacheurs, on se fera du bien. On se réattacher. Ah, ben voilà. Alors, madame Lunique et monsieur Lunique, je pense que vous savez dans quelle émission vous êtes venus. Surtout le principe de cette émission. C'est d'accord. Question-réponse, non, c'est pas engagé, non. Oui. Question-réponse, mais vraiment. Bon, allons seulement. Non, mais toi, tu vois venir. Bon, alors pour tout commencer, c'est vrai que beaucoup de personnes te connaissent sur les réseaux sociaux en tant que l'unique. Ouais. À l'état civil, ça donne quoi? À l'état civil, déjà, c'est Boris. Boris? Voilà. Okay. Je ne dis pas les autres. Mais il y a un loup, non. Ouais. Mais sois fier de ton nom. Non, il ne dit pas. Il ne dit pas. Attends, donc. Ma mère Boris. Originaire d'où? Il vit ici un petit Yakuba. Ah, je comprends la lourdeur du nom. La lourdeur du nom. Ah, bah voilà. Mais est-ce que le nom doit être lourd comme ça? Alors, mais Boris, bon, de quel côté de la Côte d'Ivoire, moi, tu viens? Moi, je viens de Danané. Ah, tu viens de Danané, d'accord. Et madame, on peut savoir le prénom? C'est Mariam. Mariam. À l'état civil, oui. À l'état civil. Alors, vous êtes mariée? Non. C'est un beau gars. C'est ça? Ça disait quoi? Ouais, ah, mais c'est quoi, gars? Mais vous n'êtes pas marié, donc vous êtes fiancé? On est beau, gars. On est beau, gars. Elle a dit pour le moment, oui. Non, mais. Là, on est beau, gars. Ça dépend de tes questions aussi. Mariam, c'est ton quoi? C'est mon compagnon. C'est ton chéri. Vous vivez ensemble? Oui. Yves, Barrel est loup, hein? Attends, il m'assoit bien. Alors, vous vivez ensemble. Vous n'êtes pas encore marié? Non. Mais vous avez des enfants? Qui vous a dit de vivre ensemble sans le mariage? Qui vous a dit de vivre ensemble sans le mariage? Mariam, tu es musulmane. Attends, elle n'est pas musulmane, elle est chrétienne. Mais Mariam. Ah, il y a ces nouveaux chrétiens. Ah, oui. Ah d'accord, ok, ça c'est pas faux. Abidjan, si les groupes qui se mettent dans la même maison, ils ne connaissent même pas les parents. La religion nous interdit ça. Laisse un peu de religion, ça y a ce que Jésus a fait, puis ce que nous on a fait. Donc toi, tu ne veux pas suivre ce que Jésus a fait. Mon cher, le monde, ça, on se cherche d'abord. Dieu même a dit, toi, le ciel te dira. C'est pas Dieu qui a dit ça, hein. C'est écrit dans la Bible. C'est un dicton. Tu vois qu'il veut faire la sorcellerie là. Dieu a dit que Dieu la gêne. Est-ce qu'on ne dit pas de goûter d'abord? Donc tu es dans le camp des Gédéons de la Tchétchouva. Ah, mais tu as apparemment tout le monde rejoint. Qui? Donc qui tout le monde? Moi, je viens avec quelqu'un qu'on ne s'est jamais goûté. Ah, mais c'est ça. Non, on n'est pas marié, on est dans la même maison, on ne se goûte pas. Non, ça ne va pas goûter moi. J'aimerais me changer une petite mouche là pour vérifier ça. Donc, si on comprend bien, madame est dans goûter voir.
Ah, mais c'est une manière de parler, mais tout voilà, c'est pas... voir. Non, mais elle dit que votre situation... Elle dit, Gédéon a dit. Ah, non, c'est moi, elle dit. On dit de goûter. Oui, oui. Et puis, c'est parler de Gédéon, mais... Oui, non, j'ai demandé si elle est dans le gang des Gédéon. Elle n'est pas dans le gang des Gédéon. C'est une manière de parler, c'est tout, sinon... On peut goûter. Est-ce qu'on peut goûter à l'unique? On est dedans, on est serré. Attends, Malibu, tu comptes sur quoi? Attends, il y a des comptes sur quoi? C'est qu'elle est très contente depuis soit on n'a pas vu la nous disait qu'elle est aussi vilaine. Mais c'est un Yakuba parce qu'apparemment les Yakuba ont un troisième pied très tendu. Non mais là, les gens de côté, là, c'est côté là, c'est voilà. Vrai garçon, c'est pour ça que Maria m'a déposé. Ah, c'est pas ok, donc c'est que c'est bon alors. Alors, mais l'unique, comment tu arrives là-bas en France? Comment j'arrive en France? Déjà, j'arrive en France. Tu n'es pas allé par Pinas, j'ai non, il est nagé même. Même chose, la région. Voilà. Comment j'arrive en France? J'arrive en France, bah, comme tout jeune qui décide d'aller à l'aventure seul, un bon matin, j'ai pris ma valise, sans dire à mon papa, ma maman, je prends la route. Voilà. Non, tu prends la route, Non, je prends la route et fais Burkina, après même Mali. Mali, Niger, Algérie, Maroc. Maroc était des boîtes pendant 2 ans. Mm-hmm. Pendant ce temps, mon mousseau m'a laissé, mon mousseau est parti en Espagne. Pendant ce temps-là, oui. Tu l'as poussé, tu es parti en Espagne. Je l'ai poussé comment? Ah, mais c'est ce qu'il a dit, mon mousseau m'a laissé. Elle est partie. Ah, c'est ça, vous savez. Pendant qu'elle est en chercher la route pour aller sur Bengue. Oui, elle est pas très bien. Non, moi, t'es déjà parti. Oui, mais c'est là. Oui, j'ai pas. Enfin. C'est. Jean, tu pouvais pas le soulever aussi pour partir avec tout le bagage? Non, je pouvais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut nous dire. Non. Ben, parce que je me suis mariée. Hi, la fille, elle pas bien d'être. Tu allais te marier et puis tu as laissé le monsieur ici. Oui. Bon, donc si je comprends bien, tu t'es marié pourquoi? Pour les baisses. L'affaire est lâchée. C'est pas avec les baisses. Mais t'es marié pour amour. Mais avec les situations. Oui, mais les situations, c'est baisse. Les situations, baisse ou ça, c'est pas bien, on met ça. Donc, tu as eu ton blanco, c'est un whitey. C'est ça. Et puis, tu es parti sur le baby. C'est ça, oui. D'accord. Donc, tu as eu tes baisses, elles sont sorties. Bien sûr. C'est ça. Je comprends, mais. Non, elle n'est pas d'autre. Bon, donc par la suite, l'unique, toi, tu la rejoins en France. Mm-hmm. Hein, et... Non, je ne rejoins pas d'abord en France. D'accord. Donc, déjà, j'étais parti dans l'optique même de l'arracher dans la main du gars. D'accord. Ah, c'était la part. Donc, Eric, Chola, Fafa, ça, est-ce que c'est pas un love story? Non, mais ça, c'est pas Fafa, on a fait l'autre. Non, mais c'est en fonction des questions qu'on me posait ou bien. Tu voulais qu'on rentre dans le monde, il n'y a pas de monde. Tu es parti dans l'optique d'abord. Mais si elle est d'abord même, il y avait l'ambition de Grigla pour les parents là-bas, et aller l'arracher dans la main du mort. C'est pour ça que son goût. C'est pas pour son goût, c'est une foutaise dans laquelle il m'a arraché. Voilà. Hein? Mm-hmm. Et pour donner au mort là. Mm-hmm. Donc il dit, ah, de la manière du t'en vas là, moi je vais t'arracher. Ouais. Bon, comment ça s'est passé? Comment tu as arraché? Écoute le film, moi, dans mes gigas à Bengue, où les il tourne, il fait mes vidéos, il quitte au bar, il tourne. C'est comme ça, un bon matin, il y a un numéro qui m'appelle. Allô? Ah, tu laissais même monsieur, un jeune que je connaissais à Abidjan. En ce temps, il a fait ses enfants, moi, il fait mes enfants aussi. Et ah, tu laissais même un jeune que je connais. J'ai dit, ah bon? Il dit, toi, t'appelles comment? Elle dit, il m'appelle Mariam. Elle dit, toi, t'appelles comment? Il m'appelle Boris. Elle dit, Boris? Non, faut pas me dire que tu es en Bengue. Il dit, ouais, ici en Bengue. Elle dit, c'est Mariam que tu t'es qui a dit, tu vois, on sait comment c'est parti. Mais comment t'as arraché Mariam en fait? Faut m'expliquer ce détail. Donc, tu avais gros sur le cœur, prendre la route, passer par Algérie, Maroc, tout ça pour arriver en Bengue. Non, t'étais prêt. Non, j'étais prêt. C'est que le gourmet est rentré dans ton âme. Mais c'est pas gourmet, c'est je sais pas comment je vais vous expliquer. C'est la manière dont ça s'est passé en fait. C'est la foutaise qui a été appliquée. Faut raconter la foutaise à moi. Mais la foutaise, c'est que toi, tu es en train de galérer ton mousseau. Pour les morons mettent dans la tête qu'ils ont fait, lui là va t'envoyer. Lui va t'en mettre dans le même cas mouvement. Quand on parle de blanc, on parle de quelqu'un qui va habiller à jamais. On fait manquer de respect. Franchement. Donc tu vois, c'est comme ça qu'on a commencé à mettre. J'ai commencé à mettre mes positions régulièrement. Mais madame, toi aussi, tu n'as pas eu pitié en esprit. Non, c'est que toi-même aussi, on garde te parler un peu. On te donne un conseil. Non, mais le problème, si j'avais eu pitié, est-ce que je donnerais comme ça? La faute, c'est pas elle. En esprit, la faute, c'est pas elle. Non, sérieux. Mais tu peux répondre à la question. Moi, je peux répondre à la question. Bon, si tu as... C'est vrai que peut-être que tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, bon, j'améliore ma situation. Et puis après, maintenant, je cherche à voir
comment je gère, je crée mon bonheur. C'est ça, c'est dans cet esprit-là. Bon, d'aucuns diront que, ouais, pourquoi tu n'es pas resté vous galérer, lui, et puis ensemble, vous allez vous débrouiller pour partir. Bon, c'est, les avis sont partagés. Hein. Oui, après, maintenant, sur, à toi, ta personne, tu as le choix qui est devant toi. Ça, c'est ça. Nous, on ne peut pas décider, Choula. C'est à elle de voir la situation et puis elle va choisir, tu vois, non? Non, moi, après, ça m'a donné l'alliance. Moi, j'ai choisi. Bon, lui aussi, peut-être qu'il a la galérisé. Donc, quelque part, je l'ai boosté. Donc, m'a boosté. Ah, tu sais, il y a plus de monsieur qui est venu, ça, quel garçon. Donc, ça fait combien de temps que vous vous êtes remis? Voilà, c'est ça, vous êtes 4 ans. Ouais. Et son mari, comment il a réagi? Il n'a qu'à pas réagir quand je suis son ami. Moi, je t'ai plus avec. Je t'ai plus avec. Mais est-ce que vous avez des enfants ensemble? Non, non, mais c'est vraiment au visage. On a fait, moi, j'ai fait 2. Ouais, elle a fait de son côté aussi. Donc, actuellement, là, vu qu'on a une famille recomposée. Recomposée, ouais. Ah, tiens, on va aller doucement. Wow. Mais toi, tu n'es pas encore franco, hein? Moi, je me baisse. Tu as le Bisaya? Oui. Donc, toi, tu es française? Belgique. Ah, tu es belge. Ok. Ah, donc, par rapport à elle, tu peux avoir la nationalité, c'est ça? Inch'Allah. Non, il s'est accroché comme une bouée, en fait. Il a accroché. Ce que tu lui as fait, les vatérans? Moi-même. Okay. Alors, donc, Ludic, tu as pas trop. Pourquoi tu dis Eran? C'est une mauvaise, hein? Non, attends, tu vas me lever une gamme de boulot. Pas arrêter. Ça n'est pas mal. Non, il n'est pas là. Non, il ne s'est même pas plus. Tu es parti par bateau. Je suis allé par bateau. J'ai assumé ça. Eh, Goumen, le Goumen, tu as tes dans le bateau. Tu as dit à toi, tu as dit, hé, Seigneur, faut me pister. Le jour, on s'est vu, là. Il t'a dit que plus 6 ans, tu as un truc comme ça. Le jour, on s'est vu, là. Il dit, ah, il t'est sûr que c'est toi qui t'es dit, ouais. Il dit, ouais, Dieu est Dieu. Ouais. Mais comment ça s'est passé le voyage sur le bateau? Ouais, parce que bateau là, l'unique, la partie des bateaux là. Non, mais c'est un peu. Faut pas encourager, faut pas dire à quelqu'un de. C'est ça, parce que faut. Est-ce qu'il y a des gens qui sont restés dans l'eau? Il y a des gens qui sont restés dans l'eau. Non, moi, 21 personnes, on est parti. Le bateau a failli chavirer. On est allé sur l'océan Atlantique pour le de la mer bleue. Wow. Et voilà, on a passé 7 heures. Et moi, vu que le bateau se dégonflait, moi, je me suis mis à dormir, au fait. Parce que je me suis dit, même si quelque chose doit arriver, je ne dois pas voir. Ah, tu es parti dans ton sommeil. Voilà, donc du coup, c'est comme ça l'avion de la Croix-Rouge. Sinon, quand on a découlé, on a fait 7 heures avant d'arriver sur la côte espagnole. Et c'est à quelle heure de retard dans la nuit? On a décollé à 2h, 3h du matin. Wow. Et on est arrivé vers les, je ne sais pas, 14h, 15h, par là, un truc comme ça. C'est-à-dire s'il y a une tempête. Mais c'est fini? Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle les conditions météorologiques. Je ne sais même pas comment vous expliquer l'aventure sur l'eau. C'est très dangereux. Même les tempêtes encore. Tempêtes encore, c'est mieux. Parce que tempête, tu vas trouver. C'est encore mieux. Ce qui est dangereux, c'est les poissons. Ah ouais? Oui, c'est les poissons qui sont très dangereux. Parce qu'eux, vous voyez comme des proies. Tant que les dauphins ne sont pas les dauphins ne viennent pas autour de vos bateaux, vous êtes en danger jusqu'à où vous partez. Ah donc c'est les dauphins qui vous protègent? C'est les dauphins qui viennent, arriver un moment donné du lot, c'est les dauphins qui viennent entourer votre zodiac maintenant. Et puis j'essaie de chercher de l'aide un peu partout. Tu vois, il y a un groupe qui est là et puis il y a un groupe qui va chercher les côtes. Ah. Voilà, c'est quelque chose de mystérieux. Oh, après, il y a les oiseaux migrateurs qu'on appelle, qui vous pistent, qui vous disent, voilà, l'Europe c'est là-bas. Parce qu'en fait, là, vous n'avez pas de gouvernail. Vous n'avez pas de boussole. Rien. Vous n'avez rien de tout ça. Il y a la nourriture, le soleil. Vous suivez le soleil. Le lever du soleil, parce que le soleil se lève en Europe, comme ça. Et ça sort comme un gros ballon. Parce que la mer, c'est comme une montagne. Ok. Et quand vous êtes à un niveau de la mer, vous voyez le soleil juste proche de vous, comme ça. Oui, comme si, ouais. Parce comme que si c'était juste à côté. Comme si c'était là. Donc, en fonction du lever du soleil, tu sais qu'on va vous aller en Europe. Mais nous, on a vu que le bateau était déjà truc. On est parti de l'autre côté, en fait. Putain. Ça... Ouais. C'était chaud, en fait. Non, ça, ce sont des expériences qui donnent froid au dos. Non, mais quand tu as gros sur le cœur, quand tu veux arriver quelque part, si tu veux vraiment, tu vas arriver là-bas. Oui, c'est ce que je suis en train de voir. T'as vu. Mm-hmm. Ah, moi, je suis là. Et puis finalement, il allait récupérer son mousseau. Et puis les voici qui sont assis dans la phase. Il ne les supporte pas. Ah, tu ne les supporte pas. Non, il est tout irrégulier. C'est bon, c'est aucun problème. Non, ça n'a rien à voir avec vous. Alors, entre nous, c'est tout technique. Alors, l'aventure. Aujourd'hui, tu es devenu blogueur. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à devenir blogueur? Déjà, là-bas, je suis quelqu'un qui n'aime pas tout ce qui est injustice. Ok. Voilà, parce que j'en ai subi pendant mon séjour et ma traversée jusqu'à l'arrivée. J'en ai subi trop. Mm-hmm. Et du coup, j'avais une révolte. Même elle, la perdre jusqu'à arriver, c'était trop dur pour moi. Et un jour, je me suis assis, je me suis dit, je dois combattre dans ce sentier-là.
Est-ce que vous comprenez? Et ça a commencé sur la politique d'abord. Et de la politique maintenant, j'ai dit politique là, franchement, ça tombe trop de... Voilà, donc je me suis parti. Tu voulais pas être comme Peter 007? Non. Sur cette question, non, hein. Non, lui, il est dans son mouvement. Ah. Il n'est pas même mélangé même. Okay. Tu as vu les retombées, oui, en fait. Ah. Okay. Moi, mais est-ce que cela te rapporte de l'argent? Si oui, comment? Déjà, Dieu merci que je suis arrivé en Europe, je n'ai pas fait comme d'autres blogueurs. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des chiens baolés sur les réseaux sociaux. Lesquels, par exemple? Ceux qui prennent le temps à boire, qui ne blessent pas. Là. Non, il faut dire des noms. Non, je ne veux pas citer des noms, il y en a beaucoup. Ah, Poutou National? Non. Lui, c'est quelqu'un de... Yaka de Paris? Non. J'ai dit certains blogueurs. Voilà. Ils sont les chiens baolés. Ah, c'est un Bobli? Bobli? Bah, lui, c'est le plus gros même des chiens baolés. Donc, du coup... Voilà. Bon, en quoi c'est un chien baoulé en fait? Non, mais il y a des gens qui... Physiquement ou mentalement? Non, qu'ils insultent. Ils passent le temps à insulter les gens. Mais en vrai, ça ne touche pas au fait. Mais toi, tu as déjà insulté des gens aussi? Bah oui. Non, c'est moi, quoi la différence entre lui et toi? Moi qui suis là, moi l'unique. Tu ne m'attaques pas et tu ne t'attaques pas. Mais est-ce que quand t'attaques, tu obtiens des comptes? Tu insultes aussi comme non, lui. Non, mais si tu m'as, tu m'insultes. C'est fait qui coupe fait. On vit dans un game où c'est fait qui coupe fait. Tu m'insultes pas et tu n'insultes pas. Mais attends de parler, j'ai l'impression que tu as des griefs. Contre Bob Lee. Non, mais j'ai pas de grief contre lui. Mais le traiter le chien baoulé, quand même. Il dit certains des bloqueurs. Oui, mais tu as cité son nom tout à l'heure qu'on a c'est dit. C'est toi qui as cité son nom. Non, moi, j'ai dit. Mais quand j'ai dit qu'on a dit Bob Lee, tu as dit lui-même, c'est le plus chien des chiens baoulés. Le plus gros. Le plus gros des chiens baoulés. Donc, selon toi, c'est un chien baoulé. Et pourquoi un chien baoulé? Ça peut être un chien Yakuba. Pourquoi les gens ne sont pas arrêtés avec les chiens baoulés? Est-ce qu'il n'y a pas des chiens baoulés? Lesquels? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de chiens baoulés là. Chien gros, ça existe. Chien Yakuba, ça existe. Mais chien baoulé, c'est les caniches. Les plus réputés là, c'est ceux qu'on voit en ville. On les voit? On va laisser ce débat parce que vous... Alors, donc, mais quand comme je te disais tantôt, c'est vrai que sur les réseaux, vous vous clashez. Tu dis que c'est la guerre comme à la guerre et tout ça. On est bien d'accord. C'est fait qui coupe fait. Mais est-ce qu'il y a des gens souvent qui te payent pour clasher des gens qui ne sont pas? Oui, il paraît que c'est récurrent. Non, mais en fait, il y a des propositions. Ah non, tu ne peux pas dire non même. Par exemple, on sait qu'il y a des propositions. Mais après, ça dépend de ta moralité. Qu'est-ce que tu proposes? Tu as déjà fait ça ou non? Moi, tu peux pas même venir me regarder dans mes yeux. 10 000 euros pour insulter Bob Lee. Jamais de la vie. Pour insulter Bob Lee. Jamais de la vie. Moi, si je veux faire, c'est faire mon propre cœur. Il le connaît. Jamais, il ne fait pas ça. Moi, comme je dis là, il y a ceux qui sont là en Europe. Vous perdez le temps sur Facebook. Il y a nous qui sommes allés apprendre, avoir un métier, travailler et puis faire des réseaux sociaux leur passion. C'est ce que Défalé a demandé. Est-ce que tu gagnes ta vie par rapport à ça? Non, mais je ne gagne pas ma vie par rapport aux réseaux sociaux. Je gagne ma vie par rapport à ce que j'ai appris. Je suis cuisinier de profession. Tu fais la plonge? Ah, tu fais la plonge à Paris? Je ne suis pas parisien, moi. Ah, tu vis où? Moi, je vis à Toulouse. Bon, tu fais la plonge à Toulouse. Mais la plonge et la cuisine, c'est deux choses différentes. Mais quand tu cuisines, que les gens finissent de manger, va laver les assiettes. C'est ça le métier plongeur ici. Voilà. Bon, après c'est littéralement. Moi, je travaille dans une boîte qui fait au moins 900. Ici, Amlo, elle prépare pour finir de manger, elle lave les assiettes. Alors, tu es de la ville rose. Tu es de la ville rose. Hein, tu habites à Toulouse, la ville rose, comme on l'appelle si bien. Bon, c'est parce qu'on a fait un peu là-bas, on connaît le nom. On va plus s'en sortir. Voilà. Tu es de la ville rose. Alors, disons, tu es dans quel secteur de la ville rose? Moi, je suis à l'Estang. Ah, tu es à l'Estang? Mais tu sais que tu n'es même pas à Toulouse, même ville. Non, mais je ne suis pas. Ah, il est au village. Non, attends. C'est pas un village. Non, je connais l'Estang. C'est un nouveau quartier qui sort. Oui, mais c'est plus. C'est des HLM. Voilà, un peu plus éloigné de Toulouse, véritablement. Ouais. Tu m'aurais dit, tu es à Montauban ou à truc, tout ça, non? C'est les quartiers sociaux, là. D'accord, c'est pas des quartiers sociaux. Ah, je ne suis pas dans l'Estang, moi. C'est incroyable. C'est quand même André, t'as beaucoup de choses à parier. Tout ce qu'elle a fait, elle pense que moi, elle fait ça. Aïe. Alors. Je paye mes autres 35 euros à Paris là. Jamais. Alors, jamais. C'est fut un temps, on a vu le général Camille Makosso qui avait créé un mouvement, la Ligue des blogueurs. Oui, oui. Tu en faisais partie? Le général, c'est pas lui qui a créé. C'était le cœur. C'est ce qu'on nous a dit. Bon, d'accord. Il en faisait la promotion parce que c'est lui qui en parlait le plus. Mais qui avait créé finalement? Oui. On sait la création de la Ligue était concertée par plusieurs personnes. Ok. D'accord. On faisait tous partie, c'est un groupe. Et puis on a commencé à. On a donné beaucoup de noms. Mm-hmm. Et voilà, c'est Libias là, je pense que c'est une dame qui a donné le nom Libias. D'accord. La dame du Canada, si je ne me perds pas. Mais pourquoi c'est Makosso maintenant qui était devant?
Bah, en fait, on l'a pris comme président d'honneur. Mmh. C'est normal. Président d'honneur, président d'honneur. C'est normal. Mais qu'est-ce que c'est normal? Mais quand je dis président d'honneur, ouais, ça dit que voilà. C'est parce que c'est lui qui avait beaucoup d'influence. Le droit des NES. Le droit des NES. À la base, la Libye, ça n'a pas été créé pour avoir de l'influence. Okay. Ça a été créé pour à des fins caritatives. Mmh. Voilà, faire des petits dons et tout. Donc, même si tu as 10 milliards d'abonnés, que tu ne te soumets pas à l'arrêt, on s'en fout de tes 10 milliards d'abonnés. D'accord. Voilà comment ça s'est créé. C'était pour faire des dons et tout. On n'a pas besoin de milliardaires pour ça, avoir un million d'abonnés pour ça. D'accord. La preuve en est quand on a fait l'action à Paris. Il y avait des gens qui n'avaient pas 2 abonnés qui étaient là. Ouais. Alors, mais au jour d'aujourd'hui, Chola, je sais qu'à travers cette Ligue des blogueurs, il y a eu beaucoup de bavardages. Trop. Il y a eu beaucoup de clashs. Trop. Il y a eu beaucoup de palabres. Il y a eu beaucoup d'injures. Dans cette même Ligue Bravador, des blogueurs, on a parlé oui, la dernière où vous fois. Étiez censé être en union. Mm-hmm. Mais ouais. On a la plateforme, on a l'intime impression que votre Ligue des blogueurs, même, c'est ce qui vous a tous divisé. Même. Non, la Ligue des blogueurs ne nous a pas divisé. Ouais. Sachez une seule chose, quand vous fondez quelque chose sur le mensonge, ça commence par tomber. Petit à petit, ça va tomber. Ah bah voilà. D'abord, quand vous fondez quelque chose sur le mensonge, voilà. Mais comment ça a été fondé sur parce le mensonge? Parce qu'il y a des dits qui se disaient dedans, qui n'étaient pas la vérité. En fait. Oui. Et tout le monde attendait, tout le monde patientait. Il y a eu de fausses promesses. Il y a eu de fausses promesses, il y a eu de faux trucs. Et ça venait de qui exactement? Non, mais je ne veux pas citer de nom parce que c'est une organisation. Ça peut se retenir contre moi. Tu vois, ici, Bravador en a parlé, mais lui, il a donné des noms. Hein. Bravador, personnellement, moi, je peux lui répondre. Okay. Moi, il était secrétaire général. Donc, il a dit que. Et c'est moi qui ai confectionné tous les documents administratifs de la Libias. C'est moi qui était le cœur de la Libias. C'est moi qui disposais de tous les dossiers de la Libias. Okay. C'est moi qui suis allé à la préfecture pour légaliser la Libias. C'est moi qui payais avec ma carte bleue. Le comment on appelle ça l'avocat. Je sais pas si c'est un juriste ou bien quoi. De la Libye, c'est moi qui payais. Personne ne m'aidait. C'est moi et ma copine, on a pris les fonds propres à notre agent pour payer la Libias. Oui. Pour que le statut de la Libias soit reconnu en France. Mm-hmm. Et quand j'envoie les documents, Bravador vient s'asseoir, il commence à parler. Tu as vu son émission, non? Mais j'ai regardé son émission, j'ai répondu sur les réseaux sociaux. Ah, on mon frère, quand tu es adepte de paresseux, là. Tu ne veux pas t'asseoir sur Internet pour venir nous dire ce qui se passe au fait. Ouais. Parce que moi, j'ai envoyé les documents à Bravador. Il dit tout le service que j'ai demandé à Bravador à la Libias va légaliser ça à Abidjan pour que la situation soit reconnue à Abidjan. Il n'a jamais fait. Moins pas. Il n'a rien fait. Il n'a jamais rien foutu que le gars vient là, il commence à parler de la Libias. S'il y a quelqu'un qui sait, je ne sais pas comment je vais te dire, c'est dépapouillé pour la Libias, mais c'est bien unique. C'est moi qui étais sur tous les terrains. Que ça soit de tout, tout. Et Makosso à son niveau. Mais Makosso, les gens sont dans la com. Mm-hmm. Mais ce qui se passe en bas là, c'est ce qui est important. Mm-hmm. Donc tu penses que toi, tu as travaillé pour que la Libias puisse exister et que Bravador vienne s'asseoir sur ce plateau pour dire que la Libias c'est du n'importe quoi. Moi, tu dis que Bravador allait se faire voir. Non, mais moi, je ne pouvais plus aller se faire voir, franchement. Ah ouais? Oui, parce que moi, il ne m'a même pas respecté. Adama. Voilà, franchement. Pour moi, il peut aller se faire voir parce que j'ai envoyé des documents. D'accord. Une simple tâche. On dit que tu es président de la Libias côté Afrique. Mm-hmm. Va légaliser. Tu sais, toi, tu veux faire un bengue. Bien sûr. Pour légaliser les documents de l'Afrique. Tu sais quoi les gens. Ben, je sais très bien. Ouais, mais moi, celui qui laisse mon bar comme ça, et puis il me fait ça. Personne ne m'accompagne. Wow. Et puis toi, tu viens t'asseoir là. La Libia, c'est. Non, pas après, il n'a pas parlé comme une pédale. Mais vas-y, Bravador, tu es pleuré. Ça peut gêner. C'est pas ton parrain. Non, personnellement, il n'y a rien contre lui. Façon, tu es en train de limiter la Libia. Bon, après, c'est pas comme ça qu'il a parlé aussi. Il faut pas. Mais quand quelqu'un veut pleurer. Mais il pleurait. C'est un pleureur. Apparemment. Alors, mais on voit aujourd'hui, tu es Mariam. On voit ta compagne. Elle te soutient beaucoup dans l'affaire. J'ai l'impression que Mariam, elle est contente. Quand tu es dans l'histoire de Mariam, dis-nous un peu. Mais de quel regard tu vois aujourd'hui ton chéri, ton compagnon, quand il est sur la toile? Faut pas la regarder. Non, mais sérieux, moi je le vois en tant que brave et qu'il a beaucoup à donner. Ah bon? La raison pour laquelle je lui ai donné des conseils de quitter dans les clashs, parce qu'il vaut mieux plus que tout ça et il verra que, surtout les faits de société, moi je l'encourage beaucoup. Mm-hmm. Parce que j'essaie plus lire entre les lignes et j'essaie de. Voilà. Parce que à travers les clashs, moi j'allais poser une question à l'unique. Oui. Que veux-tu que les Ivoiriens retiennent de toi à travers moi aujourd'hui, franchement, Dieu merci. Les clashs, franchement, ça a sué mon image. Mm-hmm. Je dis en vérité, ça je ne vais jamais cacher. Les clashs, c'était deux ans de perte de temps pour moi. Ah bah parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à t'approcher parce que tu.
pour eux, tu es un insulteur public. Mais bien sûr, tu n'es pas de bonne compagnie. Mais tu as fait leur parcours. Se méfie. Bien sûr. Attends, tu veux qu'ils fassent comment? Toi-même, regarde l'image que tu donnes. C'est ça, il dit. Aujourd'hui, grâce à madame qui m'a fait un son jour, parce que moi, déjà, un moment, j'étais en dépression. Parce que j'ai eu un gros souci au travail. Vous comprenez? Et du coup, j'avais décidé de tout arrêter. D'accord. C'est mon travail, tout. Et okay. C'est madame qui a dit, bon, comme ça se passe comme ça, sors des clashs, parce que si tu commences à clasher, les gens vont pas comprendre qu'il y a eu un problème au travail. Mm-hmm. Faire l'effet de société, dans ton point de vue. Voilà. Et c'est comme ça que je suis reparti, ça a répondu, si la demande a confirmé. Mm-hmm. Ah. Et du coup, j'ai laissé mes pages où les gens me connaissaient en tant que clasheur. Mm-hmm. J'ai tout laissé, je me suis consacré à celle du matin. Mais moi, j'aurais demandé à Mariam, oui. Tout à l'heure dans vos récits, oui. Tu as dit que... Non, en fait, c'est l'unique qui expliquait que tu l'as revu sur les réseaux sociaux et tu es rentré en contact avec lui. Oui. Mais avant que tu le revoies sur les réseaux sociaux, là, pourquoi tu n'as pas cherché à le chercher? C'est quand tu l'as vu sur Internet, tu as vu qu'il y a beaucoup de femmes, tu es revenu. Ah non, il n'avait pas beaucoup de femmes. Mais il avait déjà commencé à faire ce qu'il faisait. Non, il était un maître clasheur et moi, ça ne me plaisait pas du tout. Oui, mais il avait déjà des abonnés. On le connaissait en tant que l'unique. Et moi, je ne le connaissais pas parce que puisque je n'étais pas dans le milieu ivoirien et tout ça. Et tu l'as reconnu. C'est une copine qui vient, qui me montre les blogueurs. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Et non, elle ne savait pas que c'était lui d'abord. Non, au début, je ne savais pas qui c'était lui. Non. Okay, et voilà comment, en ce moment, il faisait quoi la politique. Il sortait de la politique, je pense, un truc comme ça. Oui. Et donc, voilà comment je dis, mais celui-là, sa tête me revient, en fait. C'est là où je veux en venir. Voilà. Tu vois que tu connais le visage. Oui. Mais tu ne sais pas trop où. C'est ça, non? C'est ça, oui. Et tu rentres en contact avec lui. C'est ça. Et lui te confirme qu'effectivement, c'est le même que tu as un bras ici à Abidjan. Là. C'est ça. Qui est maintenant à Paris. Oui. Non, c'est à Abidjan, il y a la bras. Si, c'est à Abidjan. Voilà. Oui. Donc, il est maintenant à Paris. C'est ça. Et puis maintenant, vous vous rabibochez. C'est ça. Tu n'es pas venu chercher un peu de notoriété chez lui. Ah non, pas du tout. Donc, tu es venu chercher quoi? Mais parce que déjà, quand on vient, on s'appelle, c'est le truc, ça va tout seul. Hein. Mmh. Je n'ai pas besoin de dire, ah, je vais chercher un abonné ou quoi que ce soit. Parce que moi, j'étais dans les conseils. Moi, je suis plus dans les conseils que dans les clashs. Donc, du coup, on ne faisait pas la même chose du tout. Mais j'ai une question. Ok, oui. Dans les conseils, mais toi aussi, tu as ton blog, non? Oui. Effectivement, parce que j'en ai à en venir. Chola, en fait, elle aussi, elle a son blog. Mais oui. En fait, je n'avais pas terminé ma question. Okay. Si il était resté à Abidjan, il n'avait pas pris gros cœur pour aller sur Bengué. Oui. Il n'était pas rentré dans les histoires de politique, gros clasheur, nanana. Est-ce que tu aurais cherché à le recontacter? Le problème, c'est qu'on n'avait même plus de contact, au fait. J'avais plus... Vous avez déjà mis en commun? Non, je n'avais pas de contact. Moi, j'ai plus son numéro. On suit sa page. Voilà comment, en fait. Même si je le voyais comme ça en direct et qu'il n'avait pas de numéro, je n'allais pas le contacter. Comment vous le contacter? Non, ma question est la suivante. S'il était en Afrique. S'il était en Afrique, oui. Dans sa galère, oui. il n'a pas évolué dans Yota. Est-ce que tu aurais cherché à le recontacter? Mais chercher à le recontacter, mais comme je t'ai dit, demander aux gens. Non, je ne l'ai pas forcément cherché à le contacter. Est-ce que si tu l'avais revu? Ah, tu l'avais revu. Dans une situation de galère. De galère, il a bien. Est-ce que tu pouvais le prendre? Mais si, voilà. Parce qu'en ce moment-là, moi, j'étais bien. C'est ça. Oui, non, mais même si t'étais bien, si c'était un péché, si l'unique n'avait pas compris. Non, c'est vrai, j'allais le reprendre. Non, mais attends, regardez la caméra. Non, attends. Ça va dépendre de comment est-ce que. Il était quoi, galère? Oui, Jean. Moi, je le revu. Oui, Jean, tu as vu une des bengues. Oui. Tu es une go bengiste. Maintenant, tu le vois, le gars. Oui. Mais il est dans son petit poussou. Il est dans son petit couloir. C'est voilà, un peu chaud. Il se cherche. Pourquoi il ne peut pas le répondre? Non, on répond pas. Mais c'est vrai, ça allait demander comment est-ce qu'on allait se revoir. Il y a pas. Ok, bon, vous revoyez le dessin. Voilà. Tu es dans ta voiture, ta belle voiture, puis tu le vois, tu pousses, pousses, tu allais barrer. Aïe! Non, madame, Tu allais barrer. Elle dit qu'il ne poussait pas pousses, pousses aussi. Non, moi, il y a une hypothèse de pousses, poussier. Non, moi, je ne peux pas. Tu as tellement galé là. Je ne sais pas. Tu es chauve. Mais là, Son œil a limé sa prise d'attention. Elle est garée, madame, elle est garée. Elle est garée. Madame, elle dit non. Mais elle dit, mais attends, laisse m'attendre. Boris, c'est toi. On est femme, on sait quoi. Moi-même, j'ai des gens qui. Mais Chola, on dirait que toi, tu n'avais pas garé.
Je ne l'avais pas dit. Mais il y a l'éclaboussé. Chola, en fait, méchante comme ça. C'est la vie qui est quoi. Oh, cheveux rouges, tu as porté là. Non, Chola, vraiment. Je comprends pourquoi tu as cheveux rouges comme ça. Ah, ben voilà. Mais quels sont tes rapports avec les autres blogueurs, hein? Je parlais de Apuchou, Yaka, Yaka. Non, mais moi, je m'entends bien avec tout. Franchement, personnellement, je n'ai pas de problème avec les blogueurs. Moi, je pense qu'on est dans une bataille de communication. Bah, ouais, il ne faut pas mettre les organes pour libérer la ligne. Quoi. Mais celui qui se joue les embolies, quand même, faut le peu comprendre qu'il n'est pas celui qui est sur la piste. Bon, alors, mais dans ce que tu dis, dans cette lutte dans laquelle vous êtes, par exemple, il y a des prises de position, tu diras qu'il y a des faits de société dans lesquels tu prends des positions. Mmh. Et si tu n'as pas toutes, je dirais, si tu n'as pas toutes les informations et que peut-être, genre, tu as un parti pris dans tes manières de traiter un dossier. J'ai un parti pris. Oui, tu peux avoir un parti pris. Déjà, il y a une citation directe qui dit une personne qui ne prend pas de parti dans une circonstance, c'est un vendu. Une personne qui ne prend pas de parti. Mais moi, je pense qu'une personne. Une personne prudente. Bon, je vais t'expliquer bien. Excuse-moi, ouais. Une personne qui ne prend pas de parti dans une situation a pris parti. A pris parti, c'est ça ce qu'il veut dire. Ok, d'accord. Voilà. Donc, ce qui veut dire que. Quand c'est pas pour dire qu'il faut faire un discours. Et puis, tu dis non que. Oui, ah, on parle ici là d'abord, oui, regarde. C'est que tu as pris parti pour celui qui n'a pas raison. Bon, et si l'oppresseur fait mine. Et si l'oppresseur, et je dirais l'oppresseur, non, genre celui qui est opprimé. Fait mine d'être opprimé, or c'est lui-même qui est l'oppresseur. Comment ça peut se passer? Il peut pas faire mine. Il peut. Non, écoute-moi, il peut pas faire mine parce qu'on est tous dotés des raisons. Et c'est pas ça. C'est en fonction d'une situation qu'on intervient. Et c'est parce que la situation, on n'est pas dans la jungle. Hein. On vit vraiment, vraiment entre les hommes. Hein. Et on sait que dans cette situation-là, on a plus le temps d'analyser. Prendre le pour et le contre avant de taper les dents. Mais c'est ton analyse. Hein. C'est pas mon analyse, c'est ce qui est logique au fait. Non, pas forcément. Voilà, parce qu'on va parler d'un discours. Pas spécialement. On va parler d'un discours. Là, ça veut dire que tu as plus le temps d'analyser tous les points. Bon, si il y a une situation qui se présente, on parle maintenant de ton travail. Hein, entre deux personnes. Ici, là, dans la salle. Non, je dis une situation, un exemple, entre deux personnes. Par exemple, on va prendre le cas. Hein, nous, on va aller direct. Okay. On a reçu ici d'abord DJ Congélateur. Il s'est assis sur notre plateau. Il a accusé, manager a confirmé que son ancien manager. De l'avoir peintoin. D'avoir eu des rapports sexuels avec lui. Il dit la peintoin. Ça, c'est lui qui accuse quelqu'un. Voilà. Bon, nous, on sait que. Quand on te parle du rapport sexuel, c'est en quatre murs et en deux personnes. En deux personnes consentantes. C'est-à-dire que deux personnes et il n'y a pas d'autres personnes qui. Et puis deux personnes consentantes. Et par moments, ça peut être une situation où on ne sait pas vraiment entre les deux qui a fait que ce soit. On t'a vu sortir sur les réseaux sociaux pour prendre parti pour manager confirmé. Sur quoi tu t'es appuyé pour prendre parti pour lui? Déjà, c'est pas congélateur, c'est pas de la bouche du congélateur, ça sort. Ok. Et mon combat ici, là, c'est pas contre congélateur. Je veux que les gens essaient de. Mais je peux pas me battre avec quelqu'un qui est malade. En fait. Ils ne sont pas bien. D'accord. On n'est pas bien. Je combats ceux qui sont aux alentours, autour de lui. Qui lui a poussé ça dans la tête. C'est eux qui les vôtres d'abord. C'est qui les vôtres? C'est eux qui ont. C'est eux qui sont autour de lui. Donc pour toi, c'est eux qui lui ont poussé ça dans la tête. Pour toi. Voilà. Pour moi. C'est même pas pour moi. Mais c'est eux qui commencent le débat sur les réseaux sociaux. Voilà. Quand on appelle ça. Je pense que la maintenant, ils disent, quand ils sont venus dans la rue ici, ces mêmes gens-là disent que c'est ce que lui a dit d'abord. Voilà. Ils ont fait sortir. Que c'est ce qu'ils ont fait sortir. Mais est-ce que c'est ce qu'ils ont dit d'abord? Ah, c'est ce qu'ils disent. C'est pas médiatisé, on n'a pas se respecter. Oui, on a subi le débat depuis le début. Oui, mais on les a invités. Moi, j'ai fait des vidéos, on fait des vidéos depuis sur les réseaux sociaux. Oui. Écoute-moi, quand ça a commencé, c'est sûr, c'est pareil d'abord qu'ils ont sorti ça de leur bouche. Et eux, ils disent qu'il leur a dit ça. Que c'est congélateur? Non. Eux disent, écoute-moi, c'est eux qui disent que le congélateur leur a dit ça. Mais écoutez-moi bien, on vit dans des états très avancés. Il y a eu touche de je ne sais pas quoi. Mais normalement, là, les médecins sont là, on peut sortir des certificats ici. Pour nous prouver par A plus B que l'enfant, son derrière a été pillé. Non, attendez. Parce que selon toi, congélateur ment. Je vais aller au bout de mes idées. Il ment. Si juste après le contraire. On est à 4 mois, 4 mois jour pour jour, et qu'il n'y a même pas un petit certificat pour nous dessiner au moins le boda des congélateurs, pour nous dire que ça a été trouvé. Comment dessiner son boda? Non, mais c'est une manière de parler, de parce qu'on est sur le. Je n'ose même pas imaginer le boda, en fait. Non, ok, tu vas imaginer le boda. Ah non, pardon, non. Okay. Je ne veux pas voir cette vision d'horreur à nous. C'est une horreur. Et puis, tu penses que quelqu'un va te dire là. Non, attends.
Bon, tu non, sais, nous, on est des animateurs. C'est nous, les animateurs. Nous, on ne prend pas parti. Écoute-moi. Le petit est venu s'asseoir là où tu étais. Son manager était là. Chola, il lui dit, nous, là, on n'est pas juge. On n'est pas arbitre. On n'est pas arbitre, on n'est pas enquêteur, on n'est pas policier. On n'est pas médecin. On est juste des animateurs. Nous recevons des personnes sur notre plateau. Oui. Ces personnes-là nous disent ce qui leur arrive. C'est ça. Nous, on reçoit d'autres personnes qui ont été accusées pour leur poser aussi la question. Manager confirmé est venu. On lui a dit que voilà ce que le congélateur a dit sur toi, sur la même chaise où tu es assis là. Il dit, ah, et puis vous m'accusez. On dit, non, hein, non, tu n'as pas accusé. Hein. C'est ton ancien compagnon avec qui tu dormais dans la même chambre. Nous, c'est on était lui-même pas là pour dormir ensemble. Mais l'histoire est passée comment? Non, attends, on va y arriver. C'est lui-même qui est venu dire ici. Je sais pourquoi il dit ça comme ça. Hein, que tu l'as peinturé. Ok. Bon, toi, qu'est-ce que tu as à répondre de cette accusation? Maintenant, derrière ça, aujourd'hui, on reçoit aussi l'unique qui est blogueur, qui a passé aussi son temps à défendre le cas de manager confirmé sur ce même sujet. D'accord. Et moi, je demande à l'unique sur quoi lui se base pour défendre quelqu'un qui était dans une chambre et quelqu'un d'autre, ils étaient deux là-bas. Est-ce que personne n'était là? Jamais été deux dans la chambre. C'est que vous ne suivez pas le débat, en fait. Bon, ok. Il était cinq dans la maison. Qui a dit? Mais le danseur même, le danseur principal. Le danseur principal. Il est allé, on est cinq dans la maison. Congélateur dort seul. Manager dort sur natte. Et puis, ils sont trois, ils dorment sur quoi on appelle ça? Mais on dit manager faisait chat noir. Pourquoi c'est ce que c'est? Pourquoi vous voulez attendre? Toi-même là, toi-même t'es assise là. Si on te colle une image de l'aile perdue là, ça, tu peux prendre ça. Depuis la 5 gringrin, ils ont collé au. Ça n'a jamais rien changé à ça. Ça, c'est pas mon affaire. J'ai dit, c'est que c'est autant de matous à l'aime. Mais pourquoi vous voulez forcément attribuer? On n'attribue pas. Non. Moi, quand je l'attends. Moi, j'ai vu ta question. Moi, j'ai vu ta question que tu posais à ton manager confirmé. C'est de quoi? Et toi, tu dis que tu ne peux pas partir. Eh bien, ce sont des questions qu'on pose à quelqu'un. Il n'y a qu'à demander quoi? Manager, tu t'es lavé ce matin? Moi, je ne suis pas là pour poser les questions, pour caresser les gens, mais tu prends les yeux. Pim! Pim! Elle a posé des questions. Elle est ici, elle est ridicule. Pourquoi? C'est parce que c'est la télévision. On est obligé de caresser un peu. On a obligé de caresser. Si t'es la radio. Ils disent que c'est le président congélateur qui a dit que. Congélateur, il revient. Je lui ferai pareil. Non. C'est pas un débat. Moi, je ne ferai pas partie. Hein. D'une analyse de l'autre côté. Pourquoi on se dit la vérité? Okay. L'histoire est partie d'une analyse de l'autre côté. Suite au fait que Manaja a dit que le président congélateur a dit il dort à un mois. Il ne donne pas femme. Et donc, Manaja a confirmé qu'il dit oui, il ne donne pas femme. Automatiquement, suite à cela, l'autre côté a fait une analyse pour dire. C'est que tu mourras. Ok, mais maintenant, à l'époque où Lolo Beauté faisait cette soirée. Oui. Quand Lolo Beauté faisait cette analyse, quels étaient les rapports de l'unique et Lolo Beauté? Ils étaient en clash? Non, ils n'étaient pas en clash. Non, lui, il n'a jamais clashé Lolo Beauté. Non, mais c'est. Il était Tiesco. Non, c'est ce que nous on sait. Une seconde. Oui. On nous a dit. Il y a eu affaire de PJ, n'est-ce pas? C'est ce que nous on sait. Je te dis ce que c'est nous ce ont dit ici. Hein. Ok, d'accord. Non, quand la PJ, le plateau. D'accord. Quand la PJ. Ce que Tiesco a dit ici. Congélateur a dit le petit, enfin, manager a couché avec lui. Ça, la PJ s'est sorti. Mais Dieu, je vous pas fini. Quand tu parlais à. Dis-nous pas congélateur là. Nous allons porter plainte. Mais c'est ce qu'on est en train de t'expliquer. Si tu n'as pas terminé, tu n'as pas compris là où je veux en venir. Attends. Moi, je ne suis pas allé à la PJ pour parler de quelque chose. Ce que j'ai entendu là. C'est ici. Ce qu'on est venu nous dire là, c'est ce que je te répète. Non, tu ne veux pas. Ok. Tu peux pas me suivre. Non, mais vous là, c'est quoi on te dit là? Chola, attends, c'est quoi on lui dit là? Dis-lui que c'est ici qu'on nous dit ça. On écoute. Il y a une dingue qui avait dit que. On est venu nous dire que. Une vraie papa te. PJ. Dans les dépositions, conjugateur a dit oui que manager peintouin le petit. Ok. C'est pour ça que Lolo Beauté maintenant. Casse le papeau pour dire hein, demandez à votre manager confirmé là qui couche avec l'enfant. Ils ont vécu dans un état de droit. Hein. Ils sont pas venus sous le moi je regarde. Je vais parler à dire une chose qui est claire. Nous on n'est pas flics. Oui. Nous on est animateurs. Mais toi ton papa tu m'as dit t'as donné 10 000 là tu l'as donné par rapport à quoi
Si ce n'est pas flic, n'est pas... C'est le fait qu'on lui a dit ici qu'elle est trop... C'est le fait qu'on lui a dit. Oui, ici. Mais quand c'est moi, si ça ne te dit pas trop en cœur. Non, mais quand toi tu défends les faits là aussi. Moi, je défends Mara déjà parce que jusqu'à bout de compte, il n'y a aucune preuve à part. Ni touchable, on peut... Je peux terminer. Est-ce que je peux terminer? Non, tu termines pas. C'est ton émission. Ici, la chaîne. Non, quand vous invitez, vous les invitez, la chaîne marche. Ici, c'est chez nous. C'est quoi? Tu ne peux pas finir. C'est une dame? Tu comprends la faire? Donc, nous là. C'est que Matouyon, on est venu faire où? D'accord. Nous, on n'a pas dit que manager a pris son enfant. Ok. Ce qu'ils ont dit là, c'est ce que nous avons dit. Mais non, on te dit c'est faux. Au bout de tes idées. Que on dit c'est faux ou non, nous, on n'est pas juge, on n'est pas arbitre. Okay. Nous, on est juge de manager. Maintenant, toi-même qui te bases pour dire que manager n'a pas fait là, tu te bases sur quoi? Des valets te demandent. Je me bats sur la personnalité de la personne. Il n'y a pas preuve. Et la moralité de la personne. Donc, toi, et tant qu'il n'y a pas preuve dans une histoire, c'est une histoire sans suite. Bon, lui qui est assis là, oui. C'est un sorcier. Moi, je te le dis. C'est pas à faire le sang. Quand tu le regardes assez, tu es sur fond sorcier. Non, mais nous travaillons ensemble. Donc, tu ne peux pas te baser sur le physique de la personnalité de quelqu'un pour dire qu'il n'a pas mais fait. Mais ça dépend de l'histoire, ce qui s'est passé. Comment ça a été expliqué? Donc, mon générateur, mon frère, il a dit il fait il moi. Il ment. On l'a purigé, c'est tout. Elle dit l'a purigé, c'est tout. Il était purigé à Kaliba. Mais Kaliba, il a fait pour le soin. Le moins, il y a mon sinon. C'est tout. Il y a un cassé, un loup. Il faut casser. Il n'y a pas un moment qui est mort. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui meurt. Vous toujours là. Même si c'est moi, nous, on débute. Je la laisse venir. Là, elle a fait jouer le blogueur. Ils ont tué le loup à peau. On n'attend pas. Là, il joue le blogueur. Non, il a fait jouer le blogueur. L'unique donne les sons. Alors, Chola, derrière ça, tu sais, à travers ça, l'unique, nous, on pose ce genre de questions. C'est pour mieux comprendre comment tu mènes ton combat. J'ai pris ce cas-là parce que c'est le cas le plus récent pour en faire un exemple. Mm-hmm. Parce que c'est ce que nous avons reçu sur notre plateau. C'est ça. Et nous avons vu ta position. Sinon, nous, on n'a rien. On n'a rien voilà. Pour manager. Non, on aime bien manager. On aime bien. Il vient ici tout le temps. Mais il fallait qu'on le titille. Parce qu'il ne parle pas beaucoup non plus. L'unique est là. Monsieur, madame, vous deux, vous êtes sur Internet. Vous faites pas la blague avec les gens. Est-ce à la maison, quand vous êtes assis, vous êtes couché, est-ce que vous ne vous dites pas, mais attends, chérie, pourquoi est-ce qu'on oublie de faire parler avec tout le monde? On ne fait pas parler avec tout le monde. Parce que ça fait un bon moment qu'on a arrêté. On est beaucoup concentré sur nos projets aujourd'hui. C'est pas mieux, d'accord. On est en train de faire vraiment quelque chose de très lourd. Okay. Voilà, pour quitter dans tout ça. Mm-hmm. Et puis voir comment on va se focaliser. Okay. Donc, du coup, bientôt, vous allez voir les couleurs. De la nouvelle entreprise qui est en train de prendre forme. Non, on verra un nouveau donc unique. Vous êtes là pour ça, effectivement. Franchement, je ne suis même pas pour la fête des managers confirmés. Okay. Mais Dieu merci, je suis tombé. Pour la quoi? Pour la fête des managers confirmés. Ah. Voilà, donc du coup, voilà, Dieu merci, je suis tombé dedans, puis on essaie de gérer. Donc du coup, on veut se dissocier de cette image. Sortir de cette histoire de clash et tout ça. C'est très important. Nick et sa chérie, madame, alors moi, la question que je voulais poser, la question, c'est que voulez-vous que les Ivoiriens retiennent de vous? Parce qu'à travers tout ça. Qu'ils défendent manager à confirmer? Non. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? On veut aujourd'hui que les Ivoiriens retiennent de nous qu'on a profité des réseaux sociaux, se fait une notoriété pour devenir aujourd'hui peut-être chef d'entreprise. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc du coup, on commence quelque part à devenir quelqu'un. Mm-hmm. Voilà. Et on ne va pas... Nous, on sait qu'on va être dedans, mais ça sera de bons thèmes qu'on va... Vous allez plus dans les clashs. Plus dans les clashs, plus dans les fréquences de société. J'ai une dernière question. Comme c'est le meilleur ami de manager, manager a dit que lui veut faire featuring et Fali Poupa. Bon, quand toi, tu entends manager chanter là, c'est chic. C'est chic. Donc il n'a pas chanté en baoulé, il n'a pas chanté en baoulé, Fali. C'est nous-mêmes on fait parler de ça. Vous êtes sûr que Fali va accepter? Il va accepter. Donc si je comprends bien pour toi, manager. Tu vas comparer que Rosanne à Fali. Tu fais fort que Fali. Donc pour toi, manager confirmé, c'est un grand chanteur. Pour moi, c'est en tout cas, c'est un grand chanteur. C'est mon artiste, mais il va passer à la canne. En compagnie de congélateur. En toi et puis manager, en congélateur et manager confirmé, qui chante bien? Qui est fort? C'est manager. C'est chanteur, oui! Il est trop bien,
Non, vraiment pas. Non, non, vraiment pas dit. Nous, on répète les deux qu'on a eu. Non, non, vraiment pas dit jamais. Bon, alors, notre émission tire à sa fin. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Merci à tous ceux qui partagent l'émission Fafa comme d'habitude. Big up, je dirais toujours, à la boutique chez Kra, 8e tranche, les vêtements certifiés. Merci. Big up aussi à Francky Aka du côté du bazar de Versailles. Voilà, merci pour les vêtements certifiés aussi. Merci à Kangala le berger, sans oublier Ange Blé, le cultivateur. Franck Mian, la grande famille. Yacine Mian, sortez toujours couverts, on est ensemble. Fafa, c'est l'émission atypique. N'oubliez pas, le S-Club est ouvert, restaurant Longe, chez le César. Nous, on vous reçoit là-bas, vous mangez bien, vous êtes accueillis avec des mets succulents. Que Dieu vous garde. On est ensemble.